bien d'accord. Tu peux pas me faire une... Excusez-moi, monsieur. Désolé. Je ne savais pas qu'un client attendait mail. Si tu veux que je te fasse tout ce que tu aimes, faut vraiment que ça engraisse mon compte en banque. Allez, ma belle. Tu cherches le meilleur, tu es au bon endroit. Consulte l'ordinateur et choisis. Merci. À la prochaine. Ravi de vous revoir, monsieur. Entrez. Un poison préféré ? Au fait, pour ce boulot-là. Je veux aider Jaya à régler sa dette définitivement. Je vous l'ai dit, un an de traite en cash et elle est libre. Vous êtes trop généreux. Un beau spécimen d'humanité. Voilà votre argent. Mais vous la laissez tranquille. Évitez les menaces que vous ne pouvez pas appliquer. Mais oui, elle est libre. Je glisserai un mot en votre faveur à Tong. Il est dans son bureau en bas. Les gars vous laisseront passer. Thank you.
想要什么东西，都把财处看看。 Vous avez vu? Les pandas se sont loupés dans la quatrième. Ça m'a coûté un paquet de fric. Monsieur Tong? Vous venez juste de le comprendre? Vous avez pas le cerveau très vif? Dites-moi pour qui vous travaillez, et je verrai si je peux vous dire ce que je sais sur Van Brogan. Sarif Industries, ça vous dit quelque chose? Sarif Industries? C'est pas l'entreprise américaine qui a fait les gros titres il y a quelque temps? Elle existe encore? Pourquoi cette question? Suffit de regarder les infos. Il y a pas mal de faillites d'entreprises de biotechnologie ces temps-ci. Surtout, celles qui fabriquent les augmentations. Van Brugen est à Alice Garden Pods. Capsule 301, c'est un 3 rare, mais des fois c'est pratique. Et laissez-le dans le même état que celui dans lequel vous l'avez trouvé. Ou sinon? À vous de voir. Disons seulement que vos implants iraient très bien à quelqu'un d'autre. Malik, t'avais raison. Tong est Van Brugen. Il l'a planqué au Alice Garden Pods. C'est bien ce que je pensais. Un pirate qui s'est pénétré à travers les parfums d'entreprise ne peut qu'intéresser les triades. Je suis au Pods, en fait, Jensen. Tu veux que j'intervienne? Non. Ne va pas te mettre en danger. Je serai bientôt là. Jensen, j'allais partir. Qu'est-ce que tu fais ici, Malik? Je t'ai dit que j'avais la situation en main. Je sais, j'ai rien fait du tout. Crois-moi, Van Brogen est tout à toi. Attends un peu, il y a un truc pas net. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Une fille a bien droit d'avoir ses petits secrets. Bien sûr, c'est ce qui fait tout son charme. Mais quand cette fille est ma pilote et ma seule chance de sortir d'ici,
Je préfère que tout soit clair. Je comprends. Content que tu comprennes. Mais t'as toujours pas répondu à ma question. Bon, puisque t'es si curieux, j'ai vécu ici il y a des années de ça, tu te souviens ? Mon amie, ma meilleure amie, Evelyn, on était comme des sœurs. On s'amusait bien ensemble. Et puis, il y a eu un accident. Elle est morte. Désolé, Malik. Attends, Jensen, laisse-moi terminer. J'ai essayé d'oublier, mais... je savais qu'elle n'était pas morte par hasard. Elle avait été tuée, assassinée par son connard de petit copain. Je savais que c'était lui. Je savais que c'était une ordure depuis le premier jour. Mais elle voulait pas m'écouter. Malik, doucement. Si ton ami avait été assassiné, la police se serait doutée de quelque chose. Il y aurait eu une enquête. Et pourtant, il n'y a pas eu d'enquête. Ils ont dit qu'elle était tombée dans les escaliers, que c'était l'accident bête. Mais ses blessures, la façon dont elle est morte, ça colle pas. Tout est là, dans l'analyse du sang qu'ils ont retrouvé. Analyse du sang ? Tu as lu le rapport de police ? Oui. Un ami en a déposé une copie dans une capsule ici pour que je puisse la lire. Je sais que ça a l'air dingue, mais je crois que son meurtre a été maquillé en accident. Il faut juste que je le prouve. Si je pouvais avoir le rapport d'autopsie, celui qui est jamais sorti, je saurais la vérité. Sauf que... Pourquoi je sens que je vais me laisser entraîner dans un truc pas clair ? Écoute, Jensen, je suis désolée. Je sais que Van Brogen est notre priorité et je t'ai dit que c'était mes affaires et que je pouvais me débrouiller toute seule. C'est juste que... plus j'y pense, plus je réalise que ça me dépasse. Je suis pilote, pas flic, mais je dois découvrir la vérité. Ce rapport d'autopsie, quand tu aurais mis la main dessus, tu comptais en faire quoi ? Je sais pas trop. Je te l'ai dit, je suis pilote, pas flic. Mais je me suis dit que je pouvais pas rester sans rien faire alors que j'étais ici. Disons que quand tu auras le rapport et qu'on l'aura lu, on improvisera. Malik, ne va pas te vexer, mais je ne travaille pas pour rien. Il me faut un dédommagement pour toutes les complications éventuelles. Je vais voir ce que je peux faire, mais je te promets rien. Ok, je vais t'aider. Qu'est-ce que je dois faire ? Mon contact, il travaille pour Amplib. C'est un technicien système qui a apparemment accès à toute leur base de données. Il veut bien nous fournir le rapport d'autopsie d'Evelyn. Et tu veux que ce soit moi qui aille le voir et que je récupère le rapport ? Oui, mais on a convenu d'une phrase à prononcer. La mort et la vie obéissent au destin. Et il doit répondre, les richesses et les honneurs dépendent du ciel. Merde, Malik. On se croirait dans un mauvais film d'espionnage. Je sais. Mais il essaie de se protéger. C'est pas moi qui ai choisi les citations. Alors fais avec, et surtout oublie pas ta phrase, ok ? Tu le trouveras dans le hall de la clinique Amplib de la ville basse. Et il a un nom, ce gars ? Je le connais pas, mais il utilise un pseudo. Anonymous X. Je sais, je sais. Anonymous X. Ok. Autre chose ? Ouais, avant que j'oublie. Tout le dossier sur la mort d'Evelyn, coupure de presse, rapport de police, rapport d'Amplib, tout est dans la capsule 009, ici, dans l'hôtel. Tu devrais tout lire si t'as le temps. Capsule 9, compris. Il faut que j'y aille. Tiens-moi au courant et... merci. Ça me touche beaucoup, Jensen. C'était Elisa Kassan pour Picus. En tant qu'espèce, de réagir. Notre meilleure chance consiste à modifier la température des océans en associant une fertilité. www.picusweb.com. Notre
rédaction aurait commis une erreur. Oublie ça, mec. T'es pas mon genre. Je suis pas là pour vous draguer, Von Bruggen. Je viens au sujet de vos amis à Détroit. Détroit ? Ouais. Je vous remets. Vous bossez pour Sarif, non ? Vous étiez là quand j'ai dû désactiver l'extension. Alors vous le reconnaissez ? C'est vous qui quittiez la taupe. Je m'occupais du piratage, mec. Juste du piratage. Ce taf, ça a été la pire décision de ma vie, comme tu peux le voir. Vous avez attaqué nos employés, Windmill. Alors si vous voulez vous en sortir, dites-moi tout ce que vous savez. Oh là, du calme. Je suis pas maqué avec cette salope faux cul qui m'a engagé. Surtout depuis qu'elle a mis un contrat sur ma tête. La fille que vous voulez, c'est Zhao Yunru, la PDG de Taiyong Medical. Taiyong Medical ? Le principal concurrent de Sarif. Comment tu crois qu'elle en est arrivée là ? Zhao déteste la concurrence. Alors elle se sert d'attaque informatique, de chantage, d'extorsion. Tout ce qui peut déstabiliser les concurrents. Sarif est juste le dernier d'une longue liste. Vous avez des preuves ? Il y a les enregistrements de sécurité dans la tour Taiyong. Je les ai planqués sur un serveur. Mon assurance vie, au cas où. Pas très malin de les laisser là, vu que vous n'y travaillez plus. J'ai pas eu le temps de les transférer. Mais maintenant que t'es là, tu vas pouvoir m'aider. Bon, tu peux pas te pointer et les demander. Il te faut un badge d'employé avec tes données biométriques chiffrées pour prendre la navette Taiyong Medical. Tenez, regardez ça, Windmill. J'ai déjà un badge d'employé. Et mes données biométriques sont sur mon passeport. Allez, au travail. Et voilà. Un badge tout frais, parfaitement piraté comme promis. Où vais-je trouver l'enregistrement ? Sur un serveur de sécurité dans la tour Taiyong Medical. Mais ce badge ne permet d'entrer que dans l'usine de la ville basse et à la navette des employés. Et comment je fais pour arriver à la tour à partir de là ? J'ai jamais dit qu'il faudrait pas un peu de finesse. Écoute, le plus difficile, c'est de traverser le Pangu. Mais t'es un gars plein de ressources. J'ai foi en toi. Ouais. Et une fois passé le toit terrasse ? T'es à la tour de la ville haute. Mon serveur est dans le relais central de sécurité. Voilà les données de connexion. Bon, ma récompense. Taiyong Medical ! Merde, ils sont là ! Avancez ! Je suis rate mort ! Il faut que tu m'aides, Jensen ! Ils vont me buter ! Et en quoi ça me concerne ? Oh, allez, mec ! Je t'ai aidé ! File-moi au moins une arme que je puisse me défendre ! Ok, c'est bon. Prenez ça et foutez le camp. Oh, merci, mec. Je l'oublierai pas. Une fois n'est pas coutume, notre rédaction aurait commis une erreur. Le millionnaire Liu Kassou m'a contacté personnellement pour démentir sa participation alléguée à des rencontres secrètes sous l'égide des Nations Unies. Voici ce qu'il a déclaré. Ma visite à Prague était exclusivement... Lancez le flas.
Éliminez-le. En associant une fertilisation massive de l'effet et une intervention du géothermique. Excusez-moi, monsieur Barreau, mais beaucoup de gens pensent que votre installation de l'océan Arctique est plus dangereuse qu'efficace. Quand pourrons-nous la visiter? Dès que sa construction sera achevée. Suivez l'Américain et trouvez-moi ce pirate. C'était Elisa Cassa, en direct pour tout à vous. Converger vers la position. Le l'écosphère de la Terre est gravement atteinte. Et il est de notre devoir, en tant qu'espèce, de réagir. Notre meilleure chance consiste à modifier la température des océans en associant une fertilisation massive en fer et une intervention. En rapport, où est-il ? Sa construction sera achevée. Si vous voulez voir l'intégralité. Rencontre secrète sous l'égide des Nations Unies. Voici ce qu'il a dit. Allez sur www.picusweb.com. C'était Elisa Cassane, en direct pour Picus. Une fois n'est pas coutume, notre rédaction aurait commis une erreur. Le millionnaire Hugh Darrow m'a contacté personnellement pour démentir sa participation alléguée à des rencontres secrètes sous l'égide des Nations Unies.
Faites un tir de couverture. Éliminez-le. Il y a un ennemi. Continuez de chercher. Ratissez toute la zone. Allez sur www.picusweb.com. C'était Elisa Kassan, en direct pour Picus. Une fois n'est pas coutume, notre rédaction aurait commis une erreur. Le ministre a contacté personnellement pour démentir sa participation à des rencontres secrètes. Je vais bien. Des bruits de course. Les sérieux. Où est-ce que tu te caches?
J'ai entendu quelque chose. Je vais aller voir. Arrêtez-le ! Je te tiens ! Malik, contacte Pritchard. Dis-lui qu'il me faut un maximum d'infos sur l'immeuble de Tai Yong Medical. Les schémas, les plans, la totale. Ça risque de prendre un moment, Jensen. Il n'a que le temps qu'il me faudra pour trouver la navette dont Van Bruggen m'a parlé, et pour arriver à l'usine. Terminé.